Dans ce cours tutoriel, nous vous montrons comment créer un canevas de texte masqué. Alors, vous avez devant vous l'organisation d'un texte littéraire, tout simple. Si je veux créer un canevas de texte masqué, pour mes élèves qui ont plus de difficultés avec l'organisation des idées dans l'écriture d'un texte, je pourrais prendre cette structure, par exemple. Donc, chacun des éléments qui sont ici, je les ai mis en rouge pour les différencier, pour bien vous montrer. Alors, je vais sélectionner l'élément. Je vais aller dans l'onglet Accueil, la boîte Police. Je vais ouvrir ce menu et je vais aller cliquer sur Masquer. Alors, regardez bien. Situation initiale vient de disparaître. Il est disparu à l'œil nu, mais il est toujours là. Donc, comment je fais pour le faire réapparaître? Je vais aller chercher cet outil ici qui s'appelle « Afficher ». Donc, en cliquant sur « Afficher », voilà, mon élément que j'ai masqué vient de réapparaître. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour chacun des éléments de mon plan. Voilà. Et ensuite, je peux remettre ce document à mon élève qui a plus de difficultés à organiser ses idées. Il viendra écrire entre les éléments. Donc, par exemple, on lui demande d'écrire sa situation initiale, une petite fois, etc. On laisse écrire l'élève, on laisse lui déposer ses idées. Au niveau de l'élément déclencheur, par exemple, l'élève pourrait dire « soudain », etc. Pardon. Donc, le personnage, il lui arrive quelque chose. Maintenant, comment il fait pour s'en sortir? Donc, il trouvera une corde, par exemple, pour se sortir d'un trou. Et au niveau de la conclusion, on pourrait dire, depuis ce temps, il a trouvé le bonheur. Grâce à une corde. Alors, une fois que mon élève a bien rempli les sections qu'il avait à remplir, ce que j'aurai à faire, donc, vous voyez, encore, je retourne vers mon outil « Afficher tout ». Donc, mon élève doit me remettre son texte. Je ne dois pas voir les marques ou encore, je veux le faire imprimer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement désactiver l'outil « Afficher ». Et vous voyez, les marques disparaissent et je me retrouve seulement avec le texte de l'élève. Donc, ça pourrait être un bon moyen pour aider nos élèves qui ont des difficultés au niveau de l'organisation des idées.